transition, c'est aussi un partenariat avec le FIFEC, le Festival International du Film sur l'eau et le climat. Une semaine de films et de documentaires sur le thème de l'eau et du climat. Chut, ça a commencé. Et le climat, ça nous intéresse. Enfin, surtout les enjeux environnementaux. Mais pas que, aussi d'un point de vue social, économique, enfin tout ce qui est développement durable. C'est pour ça que s'organisera le festival Cap Transition. Donc du coup, juste à côté de nous, sur la grande place, il y aura un énorme chapiteau avec différentes activités comme... Un bar. Avec des bières locales, bio et de saison. Un atelier zéro déchet. Un vide dressing. Un atelier méditation. Ouais, c'est vrai. Il y aura un repair café et textile. Il y aura des conférences. Les films avec, en lien avec le FIFEC juste à côté. Enfin bref, plein d'activités organisées par les Quota Projet. Ça va être super bien. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Ouais. Et du 26 février au 1er mars. Cap Transition, c'est ici à la base. Attends, c'est où? À la grande place. C'est là. C'est ici. Ce soir. Clôturer Cap Transition, rendez-vous jeudi soir à la salle Mugondis pour un concert d'Emeline tout court et son accordéon, suivi d'un petit karaoké de chansons festives et engagées. Toi j'ai la tête qui tourne rien qu'à penser à ces pintes de blonde. Ce soir c'est peut-être l'alcool qu'il y a dans mon verre qui me donne un étrange vague à l'âme. Une envie de chanter plein de chansons païennes en prenant un accent de Paname. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans.